Je sais pas si je vous avais parlé dans un dernier vlog qu'on partait on s'en allait en voyage. Fait qu'on s'en va en voyage avec un couple d'amis pour la première fois. Je trouve ça va être super le fun. Fait que là, on est sur la route pour s'en aller à Montréal parce qu'on s'en va les rejoindre. On va embarquer avec eux dans le fond. Puis on va stationner. On va s'en aller à l'aéroport avec leur véhicule. On s'en va en République Dominicaine au Royal Tun Bavaria. C'est la première fois qu'on va dans un Royal Tun. J'ai bien hâte de voir comment c'est. Puis, à part ça, ben là, il est rendu 4h19. Fait que, on est censé se donner rendez-vous pour 4h30. Fait qu'on est pas mal dans les temps. Les enfants sont à la maison avec ma soeur. Hier, ils nous ont tous dit bye. Il y avait toute leur. Même qu'il y avait l'air un peu de s'en foutre. Fait que j'ai un petit peu mal à la gorge, fait que j'espère que ça va passer rapidement. Mais ça fait quand même plusieurs jours que j'ai mal, fait que d'après moi ça va passer. Fait que c'est ça. Fait que je suis contente. J'ai hâte d'être arrivée là-bas. Notre vol est à 8h20, puis on devrait arriver vers 12h20 là-bas. Fait que ça nous laisse encore toute la journée pour en profiter là-bas. Fait que je suis bien. Alors, je vous fais un petit coup. À tantôt! On vient d'arrêter au Tim Hortons, ça prend un petit café parce qu'on en a besoin. On n'a pas vraiment beaucoup dormi. Ça va être un moyen café de lait. Avec un moyen mocha. Avec la crème fouettée. Ouais. Ben, on n'a pas vraiment bien dormi. Ben, on n'a pas vraiment bien dormi. On a bien dormi, mais pas très longtemps. Ouais. On s'est couché genre vers 11h, je pense. Fait qu'on a peut-être dormi 4h. On a peut-être qu'on va dormir dans l'avion. J'ai emmené la doudou à Ellie. Merci. Pour dormir. C'est bon. Ok. Ça va être réconfortant. Ellie n'aime pas ça se faire appeler monsieur par le nom. Tu veux qu'il t'appelle comment, madame? Non, mais... Mademoiselle. La dernière fois qu'il me dit monsieur. Ma valise. Elle est partie. Danny, mets ma valise dessus. Oui, chef. Attention, ma doudou, enlève ma doudou. Elle est où? Et là. Ok, remets-la. C'est sa doudou, elle pèse 16,9 kg. C'est un beau poids. Ben, la valise. Oh non. Donc, mes amis ont un accès VIP au salon Desjardins. Pas nous. Mais là, ils ont été voir, puis on peut y aller nous aussi. Fait qu'il y a de la bouffe, puis de l'alcool à volonté, par exemple. Mais il sort vite du matin. On va boire des mimosas si on peut. Fait qu'on s'en va là. Oui. Dani qui est à la recherche de sa valise, je pense que quelqu'un lui a volé. C'est-tu elle? On a toutes les valises. Même ici. Et on attend si une cousine. Quoi, c'est pour
bon. Une fesse. Ah ben, on fait chaud. Hey! La petite brise, là, ça fait du bien. Ouais. Non, mais. Ben, c'est mouche, en pantalon. Et on arrive! Ah, c'est beau! Oh my god! C'est beau! Allez, ils sont quand même grands! Qu'est-ce que c'est? Quasiment grand bas de notre lift? Hey, tu fais la porte! Thank you! Thank merci you! Merci à vous! Ouh là là! Ouais! C'est beau! Et comment qu'on fait pour ouvrir ça? Oh my god, on va être bien! Ça a quand même appartient ça. Eh oui! Ah, c'est nice. Attends, je vais aller. Attends, c'est Cindy et William. Cindy et William sont là. Puis nous, on est là. Ça, ça va tomber. Ah, c'est beau les chambres, ouais. Oh, je suis trop contente. Hey, checky ça. On a une porte commune avec nos amis. Fait qu'on a la chambre. C'est malade. On a un bain. Puis checky là. La douche est fucking grosse. Wow. Salut. Fait que là, on est. On est en train de chercher un restaurant parce qu'on a vraiment faim. Fait qu'on a eu notre chambre. On espérait avoir une chambre avec un seul lit. Finalement, c'est deux lits. C'est pas grave, la chambre est tellement belle. L'avion, ça s'est vraiment bien passé. Puis, c'est ça. Fait que là, on va aller manger. Puis, je vous reparlerai au pire un petit peu plus tard. Bonne fête, William! Santé! Allez, salissez-vous toutes! Comment vous avez fait? Je l'ai fait en deux étapes. Thank you! You don't! Pour me préparer. Puis, on est rendu dimanche. Il est 5h49. Puis, je suis dans la genre de partie toilette pour me préparer. Fait que j'ai décidé de me friser les cheveux parce que dans toutes les autres journées, je me suis pas arrangée.
la tête. Fait que là, je me tourne un petit peu. Oh, je suis rouge en dessous des bras. Voyons. Fait que, à date, c'est une bien belle hôtel. On a pas mal, on s'est pas mal promené entre la piscine, la plage et la rivière, la Lazy River. Parce qu'ici, une Lazy River est vraiment grosse, c'est vraiment longue. Je pensais pas qu'il s'avait donné autant là, dans la longueur. Puis, qu'est-ce qui est cool, c'est que. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il y a un bar dans la rivière. Fait qu'à un moment donné, tu peux arrêter, paf, tu te prends un verre, puis tu continues. C'est vraiment le fun. Sinon, la piscine à notre chambre, la seule affaire que je trouve un peu poche, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Tu sais, à un moment donné, il y a du soleil dans. Hein, pourquoi mes cheveux collent? Ah! Mon truc a collé sur mon fer, puis là, ça colle sur mon. Au. En tout cas. Ouais, dans notre piscine, dans notre chambre, c'est super beau. C'est super intime. Dans le fond, il n'y a pas de voisin en arrière. C'est comme juste un buisson. Puis sur les côtés, mais à date, on n'a même pas vu personne sortir. Il y a du monde, mais on ne les a pas vus. Fait que c'est super intime, c'est super le fun. La seule chose, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de soleil vraiment qui va jusque dans notre piscine. Elle va dans la piscine, mais elle va pas sur nos chaises, non. Fait qu'elle est un peu push. Sinon, la chambre, elle est belle, elle est confortable, sauf qu'elle pue. Ça, faut le dire, ça pue. Il y a quelque chose qui pue dans la chambre, on est comme pas sûr c'est quoi. C'est ici, là, au niveau du lavabo. Ça sent une odeur de moisi, je sais pas trop. Puis, on a fait faire la chambre hier, puis quand ils ont fait la chambre, ça sentait super bon. Fait que là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est peut-être réparé, tu sais. Ça pue plus. Mais non, ça a recommencé. Fait que voilà. Sinon, les lits sont fucking confortables. Je dors vraiment bien, là. On dirait que dans le sud, à chaque fois que je vais dans le sud, la nuit, je me réveille, puis je vais aux toilettes, c'est quand même manquable. On dirait que, je sais pas, je me réveille en plein milieu de la nuit. Mais là, je t'ai dit, je dors vraiment bien. Le lit est confortable. On a deux lits. On était censé avoir juste un lit. Puis, ils nous ont donné deux lits. Puis là, fallait si, dans le fond, on voulait changer puis avoir seulement un lit. Mais là, il aurait fallu qu'on soit plus à côté de nos amis. Fait que là, on aurait été dans deux buildings différents. Ça aurait été un petit peu compliqué. Fait que on a décidé de rester comme ça. Avant ça, j'aurais peut-être changé de chambre parce que ici, ça pue. Puis, on n'a pas de soleil dans la piscine. Mais on n'a pas changé. Sinon, je ne sais pas si je vous ai dit, on est au Royalton Pavaro en République Dominicaine. Les restaurants, la bouffe, tout est parfait. Sérieusement, je mange vraiment bien. Hier, on a été souper. Mais mettons, le premier souper qu'on a été, c'était au steakhouse. C'était excellent. Genre un steak avec une patate au four, des patates clés, steaker. Hein. Ensuite de ça, hier, on a été manger au. C'était la fête à. Non, pas hier. Avant hier. C'était la fête à mon ami. On a été manger au. Comment on avait ça? Au Zen, mais dans le fond, c'est comme un beignana avec. Hein? Donc, ils font le manger sur la plaque devant toi et qu'ils font un spectacle. C'était très bon aussi. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, hier, on a été manger au Ocean. C'est comme un fruit de mer. J'ai mangé un tartare. Il était excellent. Sauf le repas, je l'ai moins aimé. Je l'ai moins aimé. C'était très bon, c'est juste que c'était un steak. Je trouvais qu'il n'y avait comme rien dans ce restaurant de fruits de mer là qui me tentait. À part le tartare qui était excellent. Fait que voilà, ce soir, on ne sait toujours pas où qu'on va manger. On dirait que... Parce qu'il reste comme le restaurant brésilien. C'est comme de la viande là, sur des morceaux de bois. C'est tout ça? Genre comme des fourchettes, puis ils viennent de couper. Ça me tente moins. On dirait que ça me tente pas de tendre à ce restaurant-là. L'italien est fermé pour deux jours. Fait qu'on va pas y aller tout de suite. Puis, sinon, il resterait le zen qu'on a été, mais côté table. Je sais pas comme trop. Voilà.
Puis aujourd'hui, on a été faire une grosse marche au bord de la plage. Ça a super fait bien. Sauf quand on est revenu, il faisait fucking chaud. J'avais hâte d'arriver. Fait que c'est ça. Voilà, à date, notre voyage. Je vais attendre que ça sèche un peu, puis après ça, je vais les défaire. Voilà. J'ai quand même bronzé aujourd'hui. Je suis un petit peu rouge, mais pas tant que ça. Je pense que c'est plus bronzé. Voilà, je me suis mis une paire de shorts, puis une camisole. Comme ça, bien normal. Puis, fait que j'attends que tout ça sèche, j'y peigne, et après ça, on s'en va manger. Je sais pas trop. À tantôt. Allô. Allô, la blague à Myriam. Comment ça va? Séjour, ben, ils donnent leur trip, fait que là, il y en avait plein à donner, fait que j'ai été les chercher. Fait que c'est ça, fait que je vais essayer de vous filmer en paddleboard, ce serait cool, mais j'ai peur que mon téléphone tombe dans l'eau. Fait que, à tantôt! Salut! Fait qu'on s'en va faire du catamaran, juste là. C'est pas moi qui conduis, c'est William, parce que j'ai pas bien écouté les règlements pour faire du catamaran. Belle. J'ai mis ma veste et je suis prête. Thank you.
Ben voyons. C'est combien? 8,20$. Ouais, tu viens de faire 3,20$. Ah, ben ça coûte une somme? Ouais, ça coûte ça. Bon matin! Donc aujourd'hui, on est le 18 octobre et c'est la fête à Dani. Il y a 40 ans. T'es-tu content? Oui, je suis content. Puis, là, on s'en va déjeuner. Il y a environ 9h et quelques. C'est notre dernière journée pleine parce qu'après ça, demain, dans le fond, notre autobus, elle arrive à 9h50. Puis on s'en va à l'aéroport, puis on va revenir à la maison vers 7h. Il a fait beau toute la semaine, sans exception. Il n'y a pas mouillé une seule goutte dans la journée. La nuit, j'imagine qu'il a mouillé. Mais c'est ça. Fait qu'il fait vraiment chaud. Puis c'est même quasiment insupportable, la chaleur. Elle est assez intense. Okay. Aujourd'hui, j'ai mis juste mon haut de costume de bain avec mon pantalon, parce que j'ai plus de linge. Il me reste quasiment plus rien. J'ai vraiment emmené moins de linge que d'habitude. Mais c'est bien correct, ça va faire moins de lavage. Fait que c'est ça. Après ça, après le déjeuner, on va aller à la piscine, j'imagine. Puis voilà. À tantôt! Donc on s'en va se promener dans la rivière pour bien se réveiller. Il n'y a pas beaucoup de tripes dans la rivière. Fait souvent, il faut marcher à la recherche d'une tripe. Elle est vraiment plus rafraîchissante à l'hiver que les piscines d'eau est tellement chaude. Ça fait 40 ans. Même ça, fier. Ça te fait pas comme un petit. Non? Ok, attention, c'est toi aussi. Là, c'est correct. C'est où que les cruches d'eau qui sont pas mouillées. Ici, il y a le surf. Ah, oh, les tripes sont toutes là, Dani. On a trouvé la cachette de tripes. Crime, ça fait une semaine qu'on me dit si on savait pas qu'il y avait des tripes là. J'en reviens pas. Il y en a-tu une tripe seule en dessous? Ouais, ici c'est le surf. Il faut payer pour pas que ça soit très intense. Ah, il est bon. Ok. Je vais aller la faire pour vous. Fait.
ici, on peut sortir, puis il y a un petit restaurant. Puis, mini buffet, puis. On avait tout un truc de bord. À plus. Et là, là, plus haut t'arrives, on va y arriver. On arrive ici. Voilà le bord. C'est malade. Ici, on est au café avec la face à Dani. Il y a vraiment plein de petits cafés, puis des petites collations. Je me suis pris un cappuccino glacé. On a un menu ici. Okay, fais-moi le meilleur. Fais-moi le meilleur cappuccino. La meilleure crème glacée. Ça marche pas. Il y a rien qui marche. Il y a rien. Oh. Ici, il y a le Clubhouse pour Kids Club puis Teen Club. Fait qu'il y a le parc. Puis en arrière, j'ai vu qu'il y avait un mur d'escalade. Et aussi, il y a une table de pool puis une table de air hockey. Et on a ici Dani qui a toujours 40 ans. C'est Sally. Ça, c'est le petit building ou le lobby. Moi, j'ai pas emmené mes sandales, fait que je vais traverser dans le gazon. Sally! Fait que. C'est aujourd'hui que ça se passe, je vous vlog toute la journée. Je vous ai quasiment pas vlogué la semaine. Là, on a été manger au Scars Bars. C'est vraiment le fun parce que il y a un restaurant qui est ouvert quasiment 24 heures. C'est ouvert de midi à 6 heures le matin. Fait que c'est juste de 6 à midi que c'est pas ouvert. Fait que là, on a été au petit café après pour se prendre un café, mais on voulait avoir un cappuccino glacé, mais finalement, c'était pas bon. Puis, on était comme, on hésitait à savoir si on retournait à la piscine ou à la plage. Mais on était comme un peu fatigués. Fait qu'on s'est dit qu'on allait nous écouter. Et on va venir dans la chambre. On est dans la chambre, on va écouter la série. La série Lupien. Lupin. On l'avait pas écouté. Fait qu'on a commencé la série hier. Voyons. On a écouté la série hier. Puis on a fait deux épisodes. Fait qu'on va écouter l'épisode 3. Puis après ça, on va faire une petite sieste. Puis après notre sieste, on va retourner à la piscine et à la plage. Ça va être belle fun. Alors voilà pour notre planning de la journée. À tantôt! Ok, oi! Ahora sí! Daddy Yankee! Daddy Yankee! Yes, yes, Alina. Everybody, allá tutta la gasolina, avec la gasolina, ta la 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 happy. No happy happy. No happy happy. No happy happy. Mamaya, chicken baby, baby chicken, baby chicken. Okay, alright, you like them more. You like them. One! Everybody, please. Okay. One, two, three. Oh! Il était crampé, non? Ah, nos félicitations.
Bonjour. C'est quoi ton canton? Oh. T'es content? Dis Cindy, dis bye à la République dominicaine. La maison. Hey! Bye! Danny, dis bye à la République. Je pense que c'est en arrière, je pense, hein? I don't know. Combien, toi? 28. Oh, on est là.